Sécurité, préservation des ressources naturelles. Cette année verra la participation de 35 communes et écoles, y compris les Mazorettes du John Frère, John Fitzgerald Kennedy. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour une harmonisation. Harmonisation parce que depuis le 1er février, des encadreurs ont été détachés au niveau des différentes écoles et communes et ils ont travaillé d'arrache-pied donc pour permettre de marcher au pas en prenant donc place à côté de vos frères et pères, les forces de défense et de sécurité. Donc c'est pas facile, c'est pas évident dans deux mois d'être en mesure de marcher au pas, mais ce dont j'ai vu dès à présent donc me rassure. Donc on va passer à l'exercice pour voir les résultats que depuis le début du mois de février, l'encadrement a eu à exercer. Donc à présent, nous allons passer à la revue de Michel Lepère, donc lui que nous remercions, qui a vraiment mis les moyens pour une bonne marche de cette organisation. Thank you.
Merci. Incontestablement, c'est Mermoz Sacré-Cœur qui est le meilleur. Bravo, merci à tout le monde. Madame la première adjointe, chers collègues conseillers du conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur, chers parents, chers élèves, chers étudiants, ce fut un honneur pour nous de participer à cette belle prestation. Et ce que nous avons vu aujourd'hui est un avant-goût de ce que nous allons voir le 4 avril. Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie, nous donne la force et l'énergie nécessaires de pouvoir continuer cette mission jusqu'au 4 avril. Et nous sommes sûrs que ce jour-là, le président de la République sera très content de cette prestation. Et à ce titre, je voudrais vraiment remercier l'encadrement, n'est-ce pas, du Comzone. Vous n'avez lésiné sur les moyens, vous avez fait montre d'un professionnalisme et d'une disponibilité. Et je voudrais, au nom du conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur, vous dire merci. Nous n'avons pas les mots pour vous traduire toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude. Et vous me permettrez ici de rendre un hommage mérité à l'encadrement de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je voudrais citer Madame Ndaye Fatou Ndaw, présidente de la commission éducation. Remercie également Habib Mouk, président de la commission culture. Et remercie également le maire, le président de la commission de la jeunesse, Aaron Junior Salon. Et vraiment toute l'équipe derrière qui a travaillé sans relâche pour qu'on puisse vraiment réussir ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est des nuits blanches, c'est des jours, c'est des énergies qui ont été libérées pour pouvoir vraiment faire cette belle prestation. Je voudrais une fois vous remercier. Nous n'avons pas, sans oublier le directeur Ousseynou Noussam qui a accompagné depuis le début. Et je pense que c'est depuis des années que nous avons participé à ce défilé du 4 avril. Et thème ne pouvait être mieux choisi. Les forces de défense et de sécurité. Quand nous voyons ce qui se passe au niveau de la sous-région, donc l'armée doit être toujours accompagnée, l'armée doit toujours être encouragée. Et vous faites notre fierté. Et à travers ce que vous avez montré ici, nous montre à suffisance votre professionnalisme. Et je pense que c'est extrêmement important d'y ajouter aussi la préservation de nos ressources naturelles. Et je sais que cela, gage de sécurité, gage de l'avenir, de la prospérité du Sénégal. Et nous autres avons l'obligation et le devoir moral justement de préserver cela. Parce qu'il s'agit de l'avenir du Sénégal et je pense que les générations futures pourraient bénéficier de cela. Nous sommes très contents aujourd'hui de voir cette jeunesse vaillante, l'avenir de ce pays. Ces jeunes qui ont compris les enjeux de l'heure et c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez été à la bonne école, vous avez été encadré. Et à partir de ce moment, c'est des valeurs qui vous ont été inculquées. Et que demain, c'est vous qui allez diriger ce pays-là. Donc en tout cas, merci pour l'encadrement. Merci la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui a déployé les moyens pour mettre la commune de Mermoz-Sacré-Cœur dans les meilleures conditions. Et ce fut un honneur pour nous en tout cas de recevoir la mairie des parcelles Assainies, de recevoir l'école Veto, de recevoir l'école IPG,
qui est un partenaire de la communauté Mère Massacre-Cœur, et récemment, dans le cadre de l'exécution de leur programme d'activité, ils ont organisé une grande randonnée. Et soyez notre interprète auprès de votre directeur, M. Mamsal, qui est un homme merveilleux, un homme pétri de qualité humaine. Et je pense que les relations qui nous lient remontent depuis des années. Donc IPG est un partenaire de la commune de Mère-Mont-Sacré-Cœur. Et à travers les actions communes que nous avons à mener, cela montre les relations séculaires, n'est-ce pas, qui nous lient avec cette prestigieuse école. Donc Veto, merci beaucoup. Par cette assemblée, mon ami Djamil Sané, qui est mon maire, qui est mon ami, qui est mon frère, nous vous remercions, vous autres aussi. Ce fut un plaisir de vous recevoir ici au niveau de l'espace communal de Mère-Mont-Sacré-Cœur. Dites à Djamil Sané que son frère, son ami, le maire Aluntal, lui dit bonjour. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons toujours partagé des moments dans le cadre du développement socio-économique de nos communes respectives. Djamil, qui est un travailleur, qui est un ami, qui est un frère. Et je sais qu'au-delà de ce qui nous réunit ici, je pense que c'est un partenariat fécond que nous allons lier dans le cadre de l'intercommunalité. Vraiment, je voudrais remercier tout le monde. Il fait très chaud, mais ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu de l'enthousiasme, nous avons vu une détermination, nous avons vu un engagement de tout un chacun. Et c'est comme ça que cela va continuer. Donc il ne faudrait pas décevoir, comme l'a si bien dit, n'est-ce pas, donc notre très cher frère qui a procédé à la prestation tout à l'heure, en vous donnant des indications. Il ne faudrait pas que ces efforts soient vains. C'est des jours et des jours de répétition. Et je pense que la seule satisfaction qu'il pourrait avoir, c'est que le jour-ci, que vous puissiez bien défiler et qu'on puisse remporter, n'est-ce pas, la coupe. Et nous sommes sûrs de remporter la coupe. En tout cas, pour ce qui est du corps zone, Mère-Mont-Sacré-Cœur a gagné déjà. Je vous remercie pour votre aimable attention. Come on.